je veux vous donner mon sentiment, vous en avez peut-être un autre différent. Je pense que Marco Verratti, vous l'avez vu, le premier carton, il prend, il mérite parce qu'il met la main. Mais ce n'est pas, c'est pas une discussion, ce n'est pas un jeu dangereux. Mais la loi fait que... Mais c'est stupide, mais des fois, c'est stupide, mais ça casse l'action. Des fois, on fait pas des choses très réfléchies, mais des fois, ça aide l'équipe. D'accord ? Et le deuxième carton jaune, Marco Verratti, vous savez combien de fautes il a fait dans ce match ? 2. Première, la main, carton. Et la deuxième faute, il a fait la 46e. Et il y a carton. Je suis pas en train de prendre sa défense. Mais arrêtons de dire que voilà, il est incorrigible. J'ai entendu des mots, il est incorrigible. Non, c'est des faits de jeu qui, malheureusement, ça tombe sur lui, avec un petit peu la réputation qu'il a. Mais sincèrement, sur ce coup-là, j'y en veux pas. Il nous met en difficulté, mais j'y en veux pas. J'y en veux pas.